Merci. Alors, avant d'entrer dans le vif du programme, bon, vous savez qu'on a parfois des surprises qu'on vous réserve, qu'on ne vous annonce pas. Donc là, on en a une à vous annoncer, c'est que nous avons invité aussi la présidente de l'Institut de recherche de la FSU, qui est à ma droite, qui est Evelyne Berchtold-Rognon, à présenter son livre. Elle a commis un livre qui s'appelle Redis-moi, pourquoi joindre l'inutile au désagréable ? Et qui, on a présenté un stage national du SNUIPP. Et ce livre, sans, elle vous en livrera les secrets, mais fait un peu une analyse du new management public et de ses incidences, de ces procédures de new management dans la sphère publique. Donc, Evelyne va vous présenter en quelques mots son livre, qu'elle dédiera tout à l'heure pendant le temps de l'apéritif. Bonjour et merci de m'offrir quelques minutes. J'ai appelé mon livre « Pourquoi joindre l'inutile au désagréable ?» Vous allez me dire, drôle de question. En général, on essaie plutôt de joindre, bien sûr, l'utile et l'agréable, que ce soit dans notre vie privée ou dans le travail. Mais je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais depuis quelques années, beaucoup d'ordres et de réformes qui nous arrivent ou d'injonctions, je me dis, mais ça va être très pénible, ça va nous prendre beaucoup de temps, ça va faire souffrir les gens, les enfants, moi, les collègues, et en plus, ça va servir à rien. Au mieux, ça sert à rien, au pire, souvent, ça fait du mal. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les réformes qui nous arrivent, elles ont un effet à la fois douloureux à vivre pour nous, les agents, et contre-productif. Donc, d'où le titre, hein, « Pourquoi joindre l'inutile ?» parce que ça ne sert à rien, et parfois, pire encore, c'est destructeur, au désagréable, ça fait du mal. Et le sujet du livre, donc j'ai écrit ce livre au cours de l'année dernière, à partir des rencontres que j'ai faites avec plein de copains de la FSU un peu partout en France, à partir de stages et à partir de ce que j'entendais, de ce que les gens me disaient. Alors, je l'ai écrit donc au courant de l'année dernière, mais depuis la rentrée, je dois avouer que j'ai l'impression que chaque fois que j'entends notre ministre, il a lu mon livre et il fait tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Et donc, c'est l'année dernière, quand je présentais un peu mes idées, quand même, des collègues me disaient « Ouais, c'est bien, mais tu ne crois pas que tu exagères un peu? Tu vas un petit peu loin? Quand même, on n'en est pas là. » Et honnêtement, bien si, on en est là. Donc, juste, je ne vais pas passer trois heures. Il y a un autre intervenant et je respecte absolument son temps de parole. Je veux juste vous donner deux, trois petits exemples de ceux dont je parle. Première question, pourquoi on n'a plus jamais le temps de rien faire? Deuxième question, pourquoi on veut tout le temps nous évaluer et nous faire évaluer, comme si on le faisait jamais, comme si on l'était pas, et d'une façon absurde? Et puis, troisième question, pourquoi est-ce qu'on veut tout le temps nous mettre en concurrence, nous faire travailler les uns contre les autres, au lieu de nous faire travailler les uns avec les autres? Ça fait partie des thématiques et des questions que je pose dans le livre. La première, sur l'obsession, sur le fait qu'on n'ait plus jamais le temps de rien faire. Si vous regardez l'étymologie, donc juste un petit mot, le nouveau management public, c'est appliquer au secteur public les modalités de gestion du privé, notamment la mise en concurrence, le salaire au mérite, l'évaluation chiffrée constante, et puis une espèce d'obsession de l'efficience. L'efficience, c'est le ratio coût-efficacité. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que c'est une réforme rationnelle pour essayer que les choses soient plus efficaces, et c'est une réforme technique, pragmatique, contre toutes les idéologies, etc. En fait, c'est absolument pas ça, hein. C'est une idéologie extrêmement précise, organisée et structurée. Et quand on s'interroge sur d'où vient cette idée de management, alors pourquoi on a gardé ce mot qui est horrible, hein, exprès? Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques temps, et notamment avec le ministre Blanquer, les mots sont vidés de leur sens. On prend un mot qui est beau, prenons au hasard le mot de confiance, et on en sort tout ce qui fait que ce soit un mot très important dans l'histoire de l'humanité et
par exemple, dans le rapport enseignant, dans le rapport prof-élève ou dans nos rapports les uns avec les autres. Et on le met sur toutes les pages de tous les documents qui montrent l'exact inverse, qui montrent qu'on est dans une école de la défiance, où tout le monde se méfie de tout le monde, où avec, tout en tenant en même temps un discours « vous êtes magnifique, vous êtes admirable », etc., on nous dit « vous n'y connaissez rien, vous ne savez pas ce qu'il faut faire et vous devez faire ça, ça et ça ». Donc, on a décidé de ne pas se laisser prendre au piège des mots. Et donc, le management, c'est le management. Ce n'est pas la gouvernance, ce n'est pas le pilotage, c'est le management. D'où est-ce qu'il vient ce terme ? Alors, il vient bien sûr des pays anglo-saxons, mais avant d'être utilisé dans ces pays-là, il vient du français « manager » et il est attesté au XVe siècle. « Manager » au XVe siècle, ça désignait l'action de tenir à la main une bride pour faire tourner en rond un cheval qu'on essayait de dresser, le faire marcher à l'allure qu'on veut, dans le parcours qu'on veut, et en lui donnant un coup de fouet sur les fesses s'il ne fait pas ce qu'on veut. Donc le management, et après, le terme donc est passé dans l'anglais, c'est devenu management, et puis c'est revenu chez nous. Donc finalement, je trouve que c'est pas mal de garder le terme. L'image du cheval qui doit marcher au pas ou au trot, mais surtout, non pas quand c'est utile à qui que ce soit, mais quand on lui dit de faire, c'est une image assez juste du management absurde. Si on a une équipe à diriger ou une équipe à piloter, ça nous arrive tous dans différents secteurs, en général, ce qu'on essaie de faire, c'est tout mettre en œuvre pour que chacun fasse du mieux qu'il peut, ce qu'il a envie de faire pour l'intérêt collectif. C'est un petit peu l'idée. Là, le management, c'est pas ça. C'est faire ce qu'on veut que vous fassiez au moment et de la façon dont on veut que vous le fassiez. C'est vous transformer en exécutant. C'est peut-être ça, l'idée de fond du management. Vous n'êtes plus les auteurs de votre métier, vous n'êtes plus les créateurs de votre profession, vous n'êtes plus les experts de votre profession. Quelqu'un d'autre vous dit, quelqu'un qui n'y connaît rien. Le propre des managers du nouveau management public, c'est que ce sont des planeurs qui regardent de très haut et qui vous disent faites ça et ça. Ils connaissent sûrement le cerveau des élèves, mais ils ne connaissent pas l'école. On me fait signe que je suis déjà trop longue, donc je suis désolée, comme je suis passionnée, j'ai toujours envie d'en dire plus. Donc on garde le terme de management, et dans ce livre, donc, je montre que par exemple, le fait qu'on n'ait plus jamais le temps de rien faire, ce n'est pas du tout un effet collatéral, le fruit du hasard, c'est l'intention première du nouveau management. Il ne faut pas que vous ayez le temps de faire quoi que ce soit, il ne faut surtout pas que vous ayez le temps de faire ce que vous faites là. Vous résistez admirablement en venant vous former, en venant réfléchir sur votre métier. À partir du moment où on a le temps, on réfléchit, on s'unit, on peut se lever pour combattre aussi. Si on est abruti de travail, et notamment de travail qui n'a aucun sens, là, on n'est plus capable de rien faire. Donc, félicitations à vous tous d'être là. Et puis, je serai tout à l'heure dehors pendant l'apéro pour dédicacer mon livre et puis répondre un peu plus, bavarder un peu plus avec vous. Merci mille fois. Un livre d'une actualité des plus prégnantes. Dans le cadre de ces multiples ingérences dans les pratiques, dans nos méthodes, mais aussi les programmes avec les ajustements qu'il a sortis de son chapeau l'été dernier, le ministre apporte, pour ce qui concerne les mathématiques, deux changements majeurs mais insidieux par rapport au programme de 2015. On n'y trouve ni les repères de progressivité, ni des exemples d'activités associées aux diverses compétences et connaissances requises. Au-delà d'un alourdissement de ce qui est demandé aux élèves de CP, on sort là d'une logique de définition des programmes par cycle pour aller à une définition par classe. La possibilité pour les enseignants et enseignantes que nous sommes d'ajuster la progression de nos enseignements aux réussites de nos élèves s'en trouve effectivement considérablement restreinte. Ce faisant, c'est notre liberté pédagogique que le ministre contraint. Et donc, ces deux réflexions nous ont amenés à vouloir interroger les textes ministériels récents dans la double perspective des changements qu'ils induisent, mais aussi de l'incidence de ces changements sur notre professionnalité. Et pour en discuter avec nous, nous avons sollicité quelqu'un qui est un habitué, un fidèle des universités d'automne, qui a été enseignant, professeur de
mathématiques à l'UFM de Cergy. Il est maître de conférence honoraire de psychologie cognitive, chercheur associé au laboratoire Paragraphe de Paris 8, mais il est aussi, et je crois que c'est très important de le préciser, membre du conseil scientifique de l'AGEM, donc l'Association Générale des Enseignantes des Écoles et Classes Maternelles Publiques, avec qui, et je crois que tout le monde le sait ici, le SNUPP collabore souvent. Donc j'ai été long, mais en fait, j'ai nommé Rémi Bricio, que nous sommes très heureux d'accueillir parmi nous pour analyser, à l'aune donc des programmes de 2015, les évolutions ministérielles récentes. C'est ce que j'avais prévu. Si les programmes sont définis par classe, ce sera une nouveauté absolue. Absolue, au sens où même avant qu'il ne soit défini par cycle en 1989, c'était la réforme Jospin, les programmes étaient définis pour le cours élémentaire, c'est-à-dire pour 2 années, et pour le cours moyen, c'est-à-dire pour 2 années. Jamais la liberté de programmer sa progression dans le temps n'aura été aussi limitée. Voilà, bon, pour prendre le relais sur ce que tu disais. Là, donc, le titre de ma présentation est projeté, « Calcul et résolution de problèmes les programmes 2015 ». Je fais de nombreuses conférences et je m'aperçois toutes les semaines que les collègues sont nombreux à ne pas avoir été formés aux changements majeurs qui sont survenus en 2015. Il y a des changements extrêmement importants dans les apprentissages numériques au cycle 1, au cycle 2. Hein? Et l'important, évidemment, c'est qu'il ne faut jamais changer des programmes pour les changer. Il faut des raisons sérieuses pour changer des programmes. Et je vais essayer de vous montrer rapidement que ces raisons étaient sérieuses, sont sérieuses. Hein? Les recherches en psychologie cognitive et les textes ministériels récents, très clairement, il y a une tentative pour revenir sur les programmes 2015. Au cycle 2, cycle 3, c'est essentiellement la forme qui a changé, ce n'est pas indifférent. Hein. Au cycle 1, il faut être extrêmement inquiet. C'est l'esprit même de ces programmes qui risque d'être remis en cause. Et on le voit bien à travers les textes ministériels récents. Et ça risque d'être remis en cause au nom de la science, au nom de la psychologie cognitive. Bon, il se trouve que je suis enseignant-chercheur honoraire, mais pas si en retraite que ça, de psychologie cognitive, et donc je connais les travaux les plus récents, je continue à lire les articles de recherche, et donc il est important d'évaluer dans quelle mesure les changements annoncés peuvent réellement se déduire des travaux de recherche récents. Hein? Alors, je vais essayer d'aborder 3 thèmes, enseigner ou non le comptage numérotage, on verra ce que ça veut dire pour ceux qui ne le verraient mal. Dans les évaluations CP et CE1, une épreuve étonnante, c'est celle où on présente à l'enfant un segment dont les bornes sont numérotées. Un point est repéré entre les extrémités du segment et il faut apparier une écriture chiffrée à ce point. Alors bon, c'est tout à fait étonnant qu'on puisse proposer une telle tâche à l'entrée au CP et la même tâche dont la complexité
démultipliée parce que les bornes ne sont plus zéro et un autre nombre, mais sont par exemple deux nombres à deux chiffres à l'entrée au C20. Ça, je suppose, et d'ailleurs tous les témoignages, j'ai lu des témoignages d'enseignants qui avaient été mis en ligne, notamment par le CNUPP, ils étaient nombreux à être stupéfaits. Hein. Et puis le dernier point, qui est d'un autre ordre, utilisé ou non des schémas conventionnels pour résoudre les problèmes arithmétiques, c'est un thème assez ancien en fait, hein, mais qui ressurgit actuellement. Alors il est notamment très présent dans l'une des deux circulaires Blanquer, celle sur la résolution de problèmes. Alors j'inviterai à un peu de recul, hein, par rapport à cette pratique. Je montrerai que les choses sont plutôt compliquées. Hein. Voilà, on va commencer par les deux premiers points. Le premier point, faut-il ou non enseigner le comptage numérotage? Mais avant, je voudrais évoquer avec vous ce qui aurait pu être une épreuve d'évaluation très simple, d'autant plus qu'il n'est pas nécessaire de la faire passer à tous les élèves, parce qu'un enseignant de CP, il sait assez rapidement lesquels de ses élèves sont fragiles. Hein, il ne reste pas longtemps sans le savoir. Il se trouve que pas l'année scolaire dernière, mais la précédente, tous les matins, j'étais une heure dans une classe de CP, une heure avant la récréation, une heure dans l'autre CP après la récréation. Je faisais classe, c'est moi qui avais fait classe toute l'année. Hein. Le projet étant d'élaborer un environnement multimédia. C'est-à-dire, dans une des deux classes, j'avais un vidéoprojecteur. Dans l'autre classe, j'avais un TNI. C'est déjà mieux. Hein, c'est... ça commence à devenir très luxueux. Dans les deux classes, tous les élèves avaient une tablette. Enfin, on avait une série de tablettes pour une classe, parce que le logiciel peut s'utiliser, on peut définir des profils, et donc c'est la même série de tablettes qu'on utilisait dans les deux classes. Alors, elles étaient fournies avec une petite société franco-norvégienne avec laquelle je travaille, qui s'appelle Dragonbox, qui vient du jeu, hein, et puis qui souhaitait s'intéresser à l'enseignement, hein, à un environnement scolaire. Et comme ce sont des bons, hein, ils ont eu plein de récompenses aux États-Unis. Puis ça m'a amené à travailler avec des pédagogues norvégiens, des pédagogues finlandais, avec des informaticiens de très très haut niveau. Bon, donc je me suis dit que pour mettre ça au point, le plus simple, c'était d'essayer au fur et à mesure. Ce que j'élaborais, si j'étais par trop mécontent de téléphoner aux informaticiens pour demain, je voudrais ça, ça, ça et ça, et puis donc mettre au point un processus un peu à la Roland Guagou, Sylvie Seb, c'est-à-dire que cette année, on a élargi. Alors la deuxième année, c'était les deux maîtresses de CP qui faisaient classe toutes seules, moi j'étais plus là. Hein, j'étais plus là. Troisième année, on a élargi à des enseignants que je n'ai jamais rencontrés. Hein, mais en revanche, tous les jours, je fais une petite vidéo de 7 minutes pour montrer les points clés de la séquence. Enfin bon, je disposais d'un environnement pédagogique comme je n'ai jamais disposé. Faire classe, c'est pas la première fois que je la faisais. Hein. Mais je n'avais jamais disposé d'un environnement pédagogique comme ça. C'est assez exceptionnel. C'est un mixte de PIBI et des nombres en couleur, les nombres Kuisner, si certains connaissent. Hein, c'est Kuisner, instituteur belge des années 1950. C'est un outil que j'avais jamais vécu, faire classe, moi, puis des enfants qui s'applaudissaient, vous voyez, parce que ils avaient bien anticipé ce qui allait se passer dans un logiciel, etc. Bon,
Et faire classe devient un plaisir incroyable, quoi. Et donc, malgré ça, vers Toussaint, vers maintenant, j'avais dans chacune des deux classes 25 et 26 élèves. Hein, c'était avant le dédoublement des CP en REP, bien que ce soit une école difficile, hein, il y avait un mètre de plus que classe. Hein, il y a toujours, hein, on l'a conservé. Hein. L'année dernière, ils étaient à 28 et 29 en CP. Un jour où il y a eu une épidémie de grippe, j'ai eu 18 élèves dans chaque classe, j'ai eu l'impression que le métier était transformé. J'ai eu l'impression de ne plus faire le même métier. Oui. Vers Toussaint, j'avais 4-5 élèves dans chacun des deux CP qui n'avaient pas compris le nombre 5. Alors oui, il y a sûrement des collègues de grande section, des collègues de CPU, comment c'est possible? Comment c'est possible de ne pas avoir compris le nombre 5 à la Toussaint au CP? Ben, on ne veut peut-être pas, on n'entend peut-être pas, on ne met peut-être pas la même chose derrière l'expression « avoir compris le nombre 5 ». Le petit test que j'utilisais, qui à mon avis vaut largement l'épreuve d'évaluation qui d'entrée au CP qui vous est proposée, hein, qu'il faut faire passer qu'aux élèves dont vous repérez rapidement qu'ils sont fragiles, et c'est le suivant. Je mets un tas de jetons devant un enfant, je lui dis, tu vois, là, il y a des jetons, j'aimerais que tu me donnes quatre jetons. Quatre jetons, ils savent tous le faire, ben, évidemment. 1, 2, 3, 4, 4. Je lui dis, c'est bien. Moi, finalement, j'ai réfléchi. Je préférerais avoir 5 jetons. C'est 5 jetons que je préférerais avoir. Et là, si je vois l'enfant recompter des jetons dans le tas, ou recompter les jetons qu'il avait déjà sortis et qui étaient devant moi, à ce moment-là, par exemple, je cachais avec la main les jetons déjà sortis, je lui disais, écoute, c'est toi qui me les as donnés, ces jetons. Tu sais qu'il y en a 4. Là, il y a 4 jetons. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'ai 5 jetons sous la main? Et ces enfants étaient incapables d'ajouter un nouveau jeton pour former une collection de 5. Ils n'étaient capables de former 5 qu'en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ils étaient enfermés dans le comptage numérotage jusqu'à 5. Et ils ne savaient pas que 5, c'est 4 et encore 1. Attention, on voit des élèves dans d'autres classes. Moi, je n'ai pas de fil numéroté dans une classe de CP. Hein. J'ai une file numérique, hein, c'est une file de boîte de PIBI vide. Il n'y a pas un seul numéro. Si, le 1. Hein, mais c'est une vraie file numérique. Hein. C'est-à-dire que si je demande aux élèves où est la case 24, eh bien, la case 24, c'est simple, c'est deux boîtes pleines, 10 et 10, 20, et puis encore 4 jetons dans la troisième boîte. Immédiatement, ils n'ont pas besoin il n'est pas nécessaire que les numéros soient écrits. En écrivant les numéros, on les empêche d'y accéder par une stratégie de décomposition, recomposition. Et donc, je n'ai pas de file numérotée. Des collègues qui ont une file numérotée dans leur classe, vraisemblablement que vous interrogez les élèves sur 4 plus 1, ils vont vous donner la bonne solution. 4 plus 1, ils savent qu'il faut repérer la case 4 sur la file numérotée, regarder la case qui est immédiatement à droite de la case 4, et ils savent que c'est là ce qui fait plaisir aux adultes, quand ils posent la question 4 plus 1. Hein, et donc, ils savent faire, les mêmes élèves. Vous n'êtes pas sûr que, confrontés au petit test que je vous ai décrit, ils réussissent. Vous voyez, quand il faut connaître la propriété du plus 1 répété. Qu'est-ce que la propriété du plus 1 répété? C'est que quand vous avez une quantité correspondant à un nombre,
Vous voulez une quantité correspondant au nombre désigné par le mot suivant ? Il suffit d'ajouter 1. Les nombres, les quantités sont définis à 1 près. Si vous ajoutez une nouvelle unité, la quantité change. Le nom de cette quantité, c'est le mot qui suit dans la suite des mots-nombres. Cette propriété qui fonde le nombre, pour ceux qui auraient fait des études de mathématiques, c'est un des principaux axiomes de Peano. Hein, cette propriété, elle fonde le nombre. Hein, on l'appelle l'itération de l'unité, cette propriété. Il faut que l'enfant la maîtrise, mais la maîtrise en acte. Vous voyez, ça ne suffit pas qu'elle corresponde à un savoir verbal appris, hein, qu'il la maîtrise en acte dans une petite situation problème, comme celle que je viens de vous décrire. Cette propriété est présente, la notion d'itération de l'unité est présente 5-6 fois dans le programme maternel 2015. Elle est centrale dans ce programme. J'espère qu'elle y restera. Il existe deux façons d'enseigner le comptage. Il faut éviter d'enseigner le comptage numérotage. Cela veut-il dire qu'il faille éviter toute forme d'enseignement du comptage ? Non, vous voyez bien que de se passer totalement de l'enseignement du comptage à l'école, ça serait pratiquement impossible. Mais on peut enseigner le comptage différemment. Hein, donc, deux façons d'enseigner le comptage, comptage numérotage, comptage dénombrement. Regardez, programme maternel 2015, les activités de dénombrement doivent éviter le comptage numérotage. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Cela restera-t-il ? Je pose la question. Enseigner le comptage numérotage, c'est très simple. C'est enseigner le comptage selon le sens commun. Et je vais essayer de défendre l'idée qu'il ne faut pas faire la classe avec une pédagogie de sens commun. Hein ? Je vais essayer de défendre cette idée dans ce domaine, en tout cas. C'est ce que font les parents avec leurs jeunes enfants. Hein ? Ils théâtralisent la correspondance terme à terme, un mot, un objet. Ça se passe le plus souvent comme ça. Vous avez une bande de papier avec des lapins dessinés dessus. Admettons, un enfant de 3 ans, vous lui demandez combien y a-t-il de lapins sur cette bande dessinée. Vous voyez des enfants qui ont appris par cœur la comptine numérique, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils savent que quand on leur demande combien, il faut toucher les unités. Alors, ils font quelque chose comme ça. Vous imaginez que la flèche, là, est le doigt de l'enfant. Hein, ils font 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, ils récitent la suite verbale et puis ils touchent les objets. Alors là, que font les adultes ? Ils disent, je vais te montrer comment on compte. Ils prennent le doigt de l'enfant, ils le mettent sur le premier lapin, puis ils disent 1 et ils appuient sans faire mal. Hein. 1, 2, ils appuient, 3, ils appuient, 4, ils appuient. Bon. Alors, ça vaut la peine, si vous voulez, on ne peut pas être enseignant sans être un petit peu psychologue. Ça vaut la peine de se poser la tête, de se poser la question, que se passe-t-il dans la tête d'un élève à qui on fait ça ? Un jeune enfant à qui on montre un objet, montre. Hein, bon, le mot est ambivalent, hein, montre. Ordinateur, lunettes, hein, en pointant, on désigne, on pointe un objet, puis on insiste. Lunettes, c'est là, lunettes. Hein. Il comprend que le mot réfère, c'est soit le nom de l'objet désigné, mais ça peut être aussi une partie branche. Hein, vous voyez, c'est la branche de la lunette. Enfin, bon, il y a des travaux en psychologie qui éclairent cette question. Il y a une chose de certaine, c'est que si vous enseignez le comptage comme ça, 4, et vous appuyez sur le doigt de l'enfant quand vous dites 4, l'enfant va comprendre que le mot 4, hein, il réfère à ce lapin-là. C'est un numéro. C'est un numéro, c'est Chanel numéro 5. Hein, Chanel numéro 5. Alors, au mieux, ça va devenir... le problème avec la langue française, hein, et les jeunes enfants francophones n'ont pas de chance. Hein,
ils ont de la chance parce que c'est une très belle langue, mais du point de vue des apprentissages numériques, c'est une langue qui multiplie les phénomènes de polysémie. Un chat, c'est un chat quelconque, mais c'est aussi un chat et un seul. En anglais, on a « a cat », ou alors « one cat », deux mots différents pour deux idées totalement différentes. Hein, enfin, totalement, assez différentes. On pourrait multiplier. En anglais, vous allez à Londres, jamais on ne vous donnera la chambre 205. Jamais. Vous aurez la chambre 205. En anglais, quand une suite de chiffres, une écriture chiffrée désigne un numéro, on égrène les chiffres. On ne le dit pas comme s'il s'agissait d'une quantité. Et donc, les petits-enfants anglais, la date en anglais, November vieille, le huitième jour de novembre, c'est un contexte ordinal. Conseil pédagogique très simple, collègue de maternelle, collègue de CP, collègue de CE1, exprimez-vous rigoureusement. Quand vous désignez un rang, utilisez les mots qui, dans notre langue, sont spécifiquement dédiés à la désignation des rangs, les ordinaux. Quand vous désignez une quantité, utilisez les mots qui, dans notre langue, sont spécifiquement dédiés à la désignation des quantités, les cardinaux. Et vous pouvez ne pas utiliser ces mots qui, dans la langue française, sont polysémiques, qu'on utilise à la place des ordinaux, qu'on utilise comme étiquette verbale, hein, comme Chanel numéro 5, et les jeunes enfants ne s'y retrouvent plus, surtout ceux qui ont des difficultés langagières. Et donc, essayez d'être rigoureux dans l'usage des mots nombres. Petit conseil, hein, on verra que je ne suis pas le seul à le donner. Je continue. 4, tu vois, 4, c'est là. 5, c'est là. C'est le lapin 5. 6, c'est là. 6. 6, c'est là. Mais attention, 6, c'est aussi là. Ça désigne la quantité de tous les lapins. Mettez-vous à la place d'un jeune enfant à qui on dit 6, c'est là. Et puis après, on dit « 6, c'est aussi une propriété de la collection de tous les lapins, ça en désigne la quantité. » Tous les élèves fragiles plongent, ne comprennent rien. Ils mettront beaucoup de temps à comprendre comment le comptage numérotage, parce que ça, c'est typiquement du comptage numérotage, permet de représenter les quantités. Et il permet de représenter les quantités. Il fait obstacle au nombre, on va voir. Il faut différencier les choses, il faut essayer de s'exprimer de manière un peu rigoureuse. Voilà. Alors, le fait que les mots nombres fonctionnent comme des numéros est attesté par un très grand nombre de recherches. Moi, dès 89, dans mon premier ouvrage, et puis ça remonte bientôt à 30 ans, hein, quand même. Dès 89, j'en parlais. Enseigner le comptage des nombrements, c'est s'y prendre complètement différemment. C'est théâtraliser la correspondance terme à terme. Un mot nombre, alors il faut une correspondance terme à terme. Sans correspondance terme à terme, il n'y a pas de quantité. Un mot nombre, la quantité des unités déjà prises en compte. C'est un peu compliqué, je vous donne un exemple. Et là-dessus, alors je n'invente rien. Moi, je fais que exhumer des pratiques pédagogiques anciennes, en inventer des nouvelles qui sont cohérentes avec celles-là, dénommer les choses. Mais pour l'essentiel, quand même, j'exhume un grand nombre de textes pédagogiques de la période 1945-1986. Et notamment donc l'après-guerre, la libération, grande période pour la pédagogie en France. C'est la libération, le plan Langevin à Vallon. Jamais l'éducation nouvelle n'a autant d'influence
en France, c'est une très grande période. René Brandicourt, instituteur, dit directeur d'école d'application, mais qui n'est pas n'importe quel instituteur, il co-signe, il a son nom sur la couverture, avec l'inspectrice générale de l'époque, Jacqueline Bandet, je crois, et Gaston Mielaret, grand universitaire, l'un des créateurs des sciences de l'éducation en France. Il co-signe un ouvrage sur les débuts du calcul. Lui rédige le chapitre sur comment faire classe. Et regardez ce qu'il nous dit. À ce sujet, nous signalons le danger qu'il y a dans le comptage à énoncer les nombres en prenant les objets un à un. Et regardez, il faut peser les mots. Il est en train de nous dire, attention, quand vous comptez en prenant les objets un à un, il y a du danger. Vous voyez, le mot « danger » n'est pas anodin. Il s'explique. Alors, excusez-moi, il faut que je vous donne le contexte. Il imagine un contexte où il y a des assiettes alignées devant lui. Et puis, il va les dénombrer en les prenant une à une. Et puis, il va former une pile. Vous voyez, il en prend une, il la met dans la pile, une autre, il la met dans la pile, etc. Puis, il va les dénombrer. C'est en posant la deuxième assiette sur la première que je dis 2. Vous voyez, il prend une assiette, 1. Il prend une assiette. Il ne dit surtout pas 2 au moment où il a l'assiette dans la main. Surtout pas. C'est la deuxième assiette. La deuxième assiette n'est pas 2. Pourquoi vous diriez 2 alors que vous avez une assiette dans la main ? Mais ça fait un peu Raymond Devos, mais... Non, ne dites 2 que quand elle est dans la pile. Là, vous avez la pile des 2 assiettes. Vous dites 2 parce qu'il y a une quantité de 2 assiettes. C'est en examinant, pareil pour la troisième, la quatrième, c'est en examinant la pile successivement constituée que j'énonce 2, 3, 4, 6. Je vous fais rapidement un bon test. On s'adresse à des enfants qui ont compris les 3 premiers nombres, donc qui savent que 3, c'est 2 et encore 1, que 4, que 2, c'est 1 et encore 1. Il y a un résultat bien établi en psychologie cognitive, c'est que les 5 premiers nombres se construisent dans l'ordre. On n'a jamais vu un enfant comprendre que 3, c'est 2 et encore 1, qui ne sache que 2, c'est 1 et encore 1. Jamais. Et donc, il faut tenter de faire comprendre à des élèves, alors ça sera, si vous voulez, le programme de la... avec, en 2015, programme de la petite section, les 3 premiers nombres, comprendre les 3 premiers nombres, mais à travers leur décomposition, pas de comptage numérotage. 2, c'est 1 et encore 1. 3, c'est 2 et encore 1. Moyenne section, on aborde le nombre 4, après s'être assuré que tous les enfants ont compris le nombre 4, le nombre 3. Et là, vous pouvez enseigner le comptage dénombrement jusqu'à 4, comme ça. Puis après, je vous montrerai ce qu'il ne faut surtout pas faire. Vous pouvez faire, vous imaginez, là, que la croix est le doigt de l'enfant. Et le doigt de l'adulte, qui montre à l'enfant comment les grands font pour dénombrer une collection, pour former une collection de 4. Ils font comme ça, les grands. 1, 2, 3, 4. Tu vois, là, il y a 4 jetons. Il ne faut surtout pas faire ça. 1, 2, 3, 4. Tu vois, là, il y a 4 jetons. Alors, vous avez tous compris que je n'ai pas fait la même chose. La deuxième fois, j'ai fait ça. J'ai posé mon doigt sur un jeton, j'ai dit 1, je le déplace. Et je déplace le jeton numéro 1. 2, je numérote le jeton et je déplace le jeton numéro 2. 3, excusez-moi, 3, je numérote le jeton, 3, et je déplace le jeton numéro 1. 4, je numérote le jeton et je déplace le jeton numéro 4. Puis après, je dis à l'enfant, mais tu vois, 4, c'est aussi tout ça.
et tous les enfants fragiles. Mais c'est quoi 4? C'est ce qu'il a dit quand il a touché ce jeton-là, ou c'est quelque chose qui est en rapport avec ça? Ce que j'ai fait au début, c'est pas du tout ça. C'est, j'ai dit, 1, c'est pas grave, sur le 1, c'est pas grave, 1. C'est vrai ce que je dis. Mais là, je vous promets de faire attention. 2, je n'ai dit 2 que quand la collection de 2 est formée. Tous les enfants savent que 2, c'est 1 et encore 1. Dans la tête de tous les enfants, 2 ne sera pas un numéro, ça sera les 2. 3, je n'ai dit 3 que quand j'ai ajouté un nouveau jeton. Tous les enfants savent que 3, c'est 2 et encore 1. Et donc, dans leur tête, 3, ça sera les 3 jetons. 4, mot nouveau. Mais je définis 4 comme 3 et encore 1. Et même, je peux être complètement explicite. Je peux dire 1 et encore 1, 2 et encore 1, 3 et encore 1, 4. Tu vois, il y a 4 jetons. C'est-à-dire, j'explicite l'itération de l'unité. Un comptage dénombrement est un comptage qui explicite, par la théâtralisation de l'ajout d'une unité, par la façon dont on s'exprime, l'itération de l'unité. Regardez, les deux caractéristiques du comptage dénombrement, on rend explicite le calcul plus un répété sous-jacent au comptage. Chacun des mots prononcés désigne une quantité, pas d'usage de numéros. Chacun des mots que je prononce désigne une quantité. Je mets en relation des quantités. Le nombre est bien plus qu'un moyen de garder la mémoire des quantités. Il permet d'accéder aux différences entre quantités. Où votre travail est difficile. Pendant 1986 et 2015, la plupart des didacticiens, des psychologues, n'ont fait que vous donner des définitions du nombre dangereuses, erronées, comment vous dire. Moi, je veux reprendre la définition de Piaget, la définition de Newton avant Piaget. Le nombre n'est pas une quantité. Le nombre, c'est la raison des quantités. C'est des entités qui mettent en relation les quantités. Le nombre, c'est accéder aux différences entre quantités. Le nombre, c'est là, j'ai quatre jetons, là, j'en ai 5, j'en ai plus que là, parce que 5, c'est 4 et encore 1. La différence entre ces deux quantités est de 1. Je suis capable d'accéder aux différences entre quantités quand elles sont les plus petites qui soient, c'est-à-dire quand elles sont de 1. C'est ça, le nombre. Ce n'est pas la quantité. Hein, ce n'est pas, c'est bien plus que la quantité. Et donc, on ne peut pas construire le nombre comme mémoire de la quantité. C'est un peu comme si vous disiez que le tournevis a été inventé comme moyen de retirer la poussière qui s'est insinuée dans les fentes. Bien sûr qu'un tournevis permet de nettoyer la poussière qui s'est insinuée dans les fentes, mais il permet tellement plus que ça. De la même façon, le nombre permet beaucoup plus que ça. Et on ne pourra le construire que dans des situations qui mettent en jeu au moins deux quantités. Et une situation extrêmement... qu'on vous propose, mes collègues didacticiens disent, c'est la situation fondamentale du nombre comme moyen de garder la mémoire des quantités. Ben non, parce que ça n'introduit d'aucune façon au nombre. Ça, c'est une situation d'apprentissage du comptage-numérotage, et donc ça éloigne. Je vous le montre. Pour ça, je vous décris la situation. Il y a des pots de yaourt. Dans une classe, ça devient des pots de peinture. À l'autre bout de la classe, il y a des pinceaux. Il faut, en un voyage, aller chercher exactement...
ce qu'il faut de pinceaux pour que faire une correspondance un à un avec les pots de peinture. Vous voyez, on va pouvoir mettre qui est pareil de pinceaux que de pots de peinture. Hein ? C'est pas le nombre R. Construire une quantité R, A, B, C, D, etc. Oui, oui, évidemment. Mais même plus petit, Blanche-Neige, elle avait plus ou moins de H nains. C'est une vraie question. Hein. C'est une vraie question. Là, j'en vois un certain nombre. Voilà. J'en vois un certain nombre, ils sont comme ça, on lèverait le coude, on verrait que A, B, C, D, E, G, A. Et on s'aperçoit que c'est une toute petite quantité. H. C'est 8. Et pourquoi on compte sur ses doigts ? Parce que dès qu'on compte sur ses doigts, on a le repère 5, décomposition. Décomposition qu'on porte toujours sur nous. Je vous ai interrogé sur H. Bon. Vous étiez très nombreux à avoir compté avec nos chiffres, avec nos mots nombres, les pots, et à savoir que j'ai pot, c'est 7 pots. Hein. Vous étiez nombreux. Hein. Et pourtant, immédiatement, vous n'avez pas eu accès à 8. Vous ne savez pas que G, que H, c'est G plus A. A, B, C, D, E, F, G, H, H suis G. H, c'est G plus A. Si vous saviez que c'était 7, là, pourquoi ne m'avez-vous pas tout de suite dit 8 ? Parce que vous ne maîtrisez même pas l'itération de l'unité avec les lettres de l'alphabet. Dites-vous bien qu'un enfant en difficulté avec les nombres au CP, au CE1, est avec les mots nombres, avec les chiffres, comme vous êtes avec les lettres de l'alphabet. Former une collection de 8, bien sûr qu'il sait le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Bien sûr qu'il sait le faire. Bien sûr. Mais 8 n'évoque rien d'autre dans sa tête que le comptage numérotage jusqu'à 8. Comme chez vous, H n'évoque rien d'autre dans votre tête que le comptage numérotage jusqu'à H. Alors que le bon élève, quand il entend 8, quand il voit le chiffre 8, toutes les relations 8, c'est 5 et encore 3. 5 plus 3, c'est 4 plus 4, c'est 7 plus 1, itération de l'unité, c'est 10 moins 2, etc., sont préactivés dans son cerveau. Vous voyez, donc, le comptage, le numérotage, il n'est de toute évidence pas la solution de bons apprentissages numériques. Il existe pour l'essentiel deux cultures pédagogiques des premiers apprentissages numériques. Le programme 2015 choisit de favoriser une entrée directe dans le calcul. Le programme 2015 vous dit, ne faites surtout pas un long détour par le comptage numérotage, faites entrer directement vos enfants dans le calcul. Les deux cultures, quelles sont-elles ? La culture états-unienne, celle que les programmes, à partir de 1986 jusqu'à 2015, ont importé en France. Pendant une trentaine d'années, on a enseigné en France le nombre conformément à la culture états-unienne. C'est à l'école maternelle, chez les petits-enfants, on leur enseigne le comptage-numérotage. On leur apprend à garder la mémoire d'une quantité grâce au comptage-numérotage. Il faut, quand on fait un comptage-numérotage, il ne faut pas oublier le dernier mot prononcé, parce que c'est celui qui dit jusqu'où faudra compter la prochaine fois qu'on voudra construire une quantité identique. Il faut bien mémoriser le dernier mot prononcé. Et donc le programme de maternelle est centré là-dessus. Et puis alors, ce n'est qu'au CP qu'on va apprendre les décompositions du nombre, l'itération de l'unité, etc. Regardez, c'est le programme de 2002, de 2008, c'est très clair. Hein, c'est très clair. Et c'était l'objet des débats que j'ai pu avoir avec mes collègues didacticiens avant les programmes 2015. C'était leur teneur. Hein, c'est
Finalement, le point de vue qui a là emporté, parce que le CSP était à cette époque une instance indépendante qui permettait que qui permettait des interactions du bas vers le haut. Moi, je n'ai jamais eu de position institutionnelle très affirmée, sinon ma notoriété auprès des enseignants, qui n'est pas sans compter, hein, évidemment, mais d'un point de vue institutionnel, non. Eh bien, le point de vue que je défendais a été repris. Regardez. Alors d'abord, je vous montre que cette culture, c'était la nôtre. C'était la nôtre entre 1945 et 1970, et même jusqu'à 1986. C'était la nôtre. Regardez Henri Canac, il faut présenter les nombres aux enfants dans l'ordre. C'est vrai que pour les cinq premiers, après ça devient rigide. Après ça devient des abus étroits. Hein. Et pour chaque nouveau nombre, amener les enfants à construire, définir, poser le nouveau nombre par adjonction de l'unité au nombre précédent, itération de l'unité. Puis étudier les diverses décompositions en nombre moins élevé que lui. Ça, c'était notre culture pédagogique jusqu'à 1986. C'est aussi la culture pédagogique des pays asiatiques. Hein ? Programme maternel, rentrée 2015, quantifier des collections jusqu'à 10 au moins, et jusqu'à 10, ça veut dire jusqu'à 10, c'est déjà bien. Les composer et les décomposer par manipulation effective puis mentale. Vous voyez, on a complètement basculé, changé de culture pédagogique. Hein ? Les collègues ne le savent pas toujours. Quels arguments furent déterminants en faveur du retour à la culture pédagogique d'avant 1986 ? Il y en a un, c'est une étude de l'ADEP qui date de 2008. On compare les performances en calcul d'élèves de CM2 en 1987, 1999, 2007. Vous voyez, 12 ans après, 1987, et 2007, 8 ans après encore. Les performances en calcul des élèves de CM2 s'effondrent entre 1987 et 2007. Tout de suite après qu'on ait préconisé d'enseigner le comptage-numérotage en France. Tout de suite après. Et quand on cherche d'autres causes que celle-là, ben on a du mal. J'ai écrit de nombreux textes sur la question. Hein, dont un petit livre qui coûte 5 euros, dont tous les droits d'auteur vont à la même association qu'évoquait Sylvie hier soir. Donc, il coûte 5 euros. Bon, ça vaut le coup d'y regarder de près, parce que c'est toujours intéressant, l'histoire des changements de programme, tout ça, analyser d'un peu près, c'est sacrément intéressant. S'effondre, tout se passe comme si les élèves de 1999 avaient étudié le calcul un an de moins que ceux de 87. Était-ce le cas ? Non ! Que faisaient ces élèves à l'école maternelle ? Rien. C'était l'époque piagétienne de l'école maternelle. À l'époque, Piaget disait « les enfants ne sont pas conservants. Si on écarte des jetons, ils pensent qu'il y en a plus. » Même quand ils les ont comptés. On a une rangée de jetons de bleu. On demande à l'enfant tu prends pareil de jetons rouges. Il fait une correspondance terme à terme. L'expérimentateur écarte les bleus. Il dit maintenant, est-ce qu'on a toujours pareil ? Oh ben non, toi, t'as plus. Hein ? Compte-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, et certains enfants, « Ouais, mais les sept tiens, c'est plus que les sept miens. » Et donc, alors, c'est difficile à analyser. Hein, ces expériences sont difficiles, c'est complexe. Les raisons de l'échec sont multiples. La solution de l'époque était excessive. Hein, moi, je défends l'idée qu'on peut commencer l'apprentissage des trois premiers nombres dès la petite section. Bon, mais à l'époque,
Les enfants avant 6-7 ans ne sont pas conservants. Aucun apprentissage numérique à l'école maternelle. La première série Hermel, moi j'en faisais partie de la première équipe Hermel, j'ai démissionné de la deuxième, suite à un différent théorique profond, comme vous le voyez. Première équipe Hermel, début des apprentissages numériques, janvier au CP. Aucune écriture de nombre avant janvier au CP. Regardez, exhumez les vieux textes pédagogiques, les vieux livres pédagogiques. Ça vaut le coup d'y regarder. Alors vous allez me dire, bon, mais les collègues, ils n'utilisaient pas le Hermel, ils utilisaient le Euler, maths et calcul. Ou alors le Thévenet, qui était un clone de maths et calcul. Première leçon sur les nombres, décembre au CP, leçon sur les nombres 1, 2 et 3. Et sont ces enfants-là qui avaient un an d'avance en calcul. Il y a quelque chose. Vous voyez, il faut y réfléchir. Quand on regarde l'effondrement, il ne s'explique pas par le milieu socioculturel. L'effondrement s'effectue dans les mêmes proportions chez les enfants de cadres que chez les enfants d'ouvriers. Exactement dans les mêmes proportions. Et puis quand on examine tous les facteurs, on n'en trouve pas, sauf un. Pédagogique, on se met à enseigner le nombre à rebours de toutes les recommandations précédentes. À rebours. Bon. Et pourquoi ça sera difficile de revenir en arrière, ça sera difficile. Alors bon, surtout si le nouveau gouvernement brouille complètement le message. Là, ça va devenir extrêmement difficile. Mais dans tous les cas, ça sera difficile. Pour plein de raisons. Parce que d'abord, c'est la pédagogie de sens commun. Vous prenez quelqu'un dans la rue, vous le mettez dans une classe, enseigne le comptage, c'est qu'il va enseigner le comptage numérotage. Il ne va pas enseigner le comptage dénombrement et les décompositions. Et puis, l'enseignement du comptage numérotage permet de créer de l'échec, surtout parce qu'on a l'impression que les enfants progressent. Et ça, c'est redoutable. C'est-à-dire que les collègues, pendant 30 ans, évidemment que vous avez vu vos élèves progresser, même les plus fragiles. Heureusement. Mais ils progressent dans la représentation des nombres par codé, des quantités, excusez-moi, par comptage-numérotage, mais ils ne progressent pas dans le nombre. Ils ne progressent pas en calcul. Je vous le montre. Par exemple, en calcul, R plus C. R, c'est une quantité. Laquelle C, ça va, le C? Pas de problème. R plus C, si je prends une quantité R, si je prends une quantité C, si je les réunis, je renumérote l'ensemble des unités, combien je vais obtenir? Oh, il y a un truc simple. Vous faites R dans la tête, C sur les doigts, vous y allez, R, S, T, U. Et je peux vous assurer que vous avez bon. R plus C est égal à U. Alors maintenant, si vous voulez, vous avez peut-être aussi une file numérotée dans la classe. C'est au-dessus du tableau, alors là en l'occurrence, c'est la suite des lettres de l'alphabet. Je repère la case R. Allez, ça y est, je la vois, la case R, elle est là. Et puis à droite, je fais A, B, C. Alors, quand j'ai fait A, j'avais le doigt sur S. Quand j'ai fait B, T. Quand j'ai fait C, j'avais le doigt U. On m'a appris qu'il fallait que je retienne. Et j'écris R plus C égale U. C'est combien R? C'est combien U? Je n'en ai aucune. Ce truc permet de donner les bonnes réponses à toutes les petites additions élémentaires sans être entré dans le nombre. Ce n'est pas calculé, ça. Ce n'est pas calculé. Et donc, c'est redoutable, parce que l'élève, eh ben, évidemment, lui... Et puis, les plus fragiles, quand vous avez mis une stratégie de bas niveau à leur disposition, l'abandonner, c'est extrêmement dur. D'ailleurs, tous les travaux sur la difficulté grave dans les apprentissages numériques, revue de questions de l'INSERM, etc., montrent que ce sont des enfants enfermés dans le comptage numérotage. Résolution de problème, regardez, on est en CE1. C'était les évaluations
institutionnel CE1 qui passe sous le précédent quinquennat, mais encore le précédent. À la récréation, Dimitri, en fin de CE1, joue aux billes. Au début de la partie, il possède 37 billes. À la fin, il a 72 billes. Combien a-t-il gagné de billes ? L'enfant qui donne cette solution, c'est un protocole d'élève, ça. Il sait ce que c'est que 37 billes. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 37. L'enfant du problème, Dimitri, il a gagné des billes. Lesquelles il a gagné ? La 38, la 39, la 40, la 41, la 42. Et l'enfant, il recopie tous les numéros. 38, 39, 40, 41, 42, jusqu'à 72. Alors il se trompe, ça dérape à un moment, et donc il répond faux, il en gagne 32. Mais aurait-il eu juste ? Aurait-il eu la bonne réponse ? Que c'est grave ce qui se passe là. Parce qu'il n'y a aucune décomposition. Il n'y a même pas la décomposition, les décompositions qui fondent l'écriture des nombres. Savoir que 42, c'est 40 plus 2. Je peux vous assurer que quand l'enfant fait ça, il fait exactement ce que vous faites quand vous égrenez les lettres de l'alphabet. Il passe 40, 40, c'est un numéro comme les autres. C'est un numéro comme les autres. Et donc, il peut faire ça sans comprendre l'écriture des nombres, sans avoir aucune notion de calcul. Dès que je suis devenu maître de conf de psycho, on m'a confié la formation en didactique de l'enseignement spécialisé. Maître E, maître F, c'est-à-dire SECPA, et puis maître D. SECPA, cinquième de SECPA, sixième de SECPA, mes stagiaires, tous les ans, je leur demandais comment faisaient leurs élèves pour résoudre les problèmes. C'était très simple. Soit les nombres étaient grands, des nombres à trois chiffres, par exemple, et alors ils choisissaient des opérations sur l'air du temps. Vous voyez, si on était en train de réviser la multiplication, ils choisissaient la multiplication. S'ils savaient que le maître doutait qu'il savait faire de ce type de multiplication, ça ne doit pas être la multiplication, parce qu'il y avait deux nombres de trois chiffres, vous voyez, oh, c'est l'addition ou la soustraction, ça. Vous voyez, ils ont l'art de développer des stratégies qui permettent d'éviter la compréhension de l'énoncé du problème. Et puis, s'il y avait des petits nombres et une file numérotée dans la salle, des fois, il y a des files numérotées, elles commencent à un mur, elles continuent à l'autre, elles continuent sur le troisième. Ils faisaient ça. C'est-à-dire que ce type de stratégie définit chez les élèves les plus faibles leur maximum de compétences. De la même manière que vous interrogez ces élèves sur 8 plus 6, tant qu'ils n'ont pas sorti 8, 6 doigts, ils n'ont aucune idée du résultat. Chez 3 élèves de SECPA sur 4. C'est-à-dire, en enseignant des stratégies de bas niveau, on définit des stratégies qui n'ont aucun avenir scolaire, on crée l'échec scolaire. Tous les ans, depuis 1999, il y a 40 000 enfants dans chaque génération. Une génération, c'est un peu moins de 800 000 enfants. Dans chaque génération d'élèves, il y a 40 000 d'enfants de plus qu'en 1987, dont on dit qu'ils sont dyscalculiques. Henri Canac les appelait des enfants mal débutés. Il n'y a aucune raison que l'échec scolaire s'aggrave de 40 000 élèves. Toutes les évaluations internationales consécutives à l'étude que j'ai évoquée tout à l'heure ne font que confirmer la baisse qui s'est passée à cette époque. Depuis, il n'y a plus de dégradation. Du moins, il y en a une très légère, mais non significative. La dégradation, elle a été immédiate après le truc. Mais nos prédécesseurs le savaient. Regardez, c'est terrible. Une des plus grandes lacunes de notre système scolaire,
de la formation, c'est l'amnésie de l'institution. Une institution, vous voyez, qui ne sait pas transmettre l'histoire de l'exercice du métier est sacrément handicapée. Mais l'école de la République ne peut pas avoir plus de 130 ans d'existence sans que parmi nos prédécesseurs, il y ait eu des gens qui aient fait des observations fines, qui les a rapportées dans des écrits, qui aient inventé des outils intéressants. Vous voyez, on ne peut pas faire comme si tout cela n'existait pas. Ce n'est pas possible. Hein, ce n'est pas possible. Regardez ce qu'écrivaient des conseillers pédagogiques en 1962. « L'enseignement du comptage-numérotage fait acquérir à force de répétition la liaison entre le nom du nombre, l'écriture du chiffre, la position de ce nombre dans la suite des autres. » Ce qu'est en train de, sont en train de dire ces pédagogues, c'est « Vous aurez l'impression de progrès. » Oui, vos élèves, vous aurez l'impression qu'ils progressent et donc les apparences seront sauvées, si vous voulez. Mais l'enseignement du comptage-numérotage gêne la représentation du nombre, l'opération mentale. En un mot, il empêche l'enfant de penser, de calculer. Vous vous rendez compte, sous la plume d'un pédagogue, un enseignement qui empêche les élèves de penser. Il n'y a pas de condamnation plus grave. Hein ? Bon, donc, je posais la question, faut-il ou non enseigner le comptage-numérotage ? Et les sciences cognitives, Piaget, je vous en ai dit deux mots. Le comptage-numérotage, non, vraiment, il s'en méfiait, il pensait que ça ne conduisait à aucun progrès. Et il faut aller rentrer dans une analyse plus précise que ça. Ça permet la représentation des quantités, ça fait obstacle à l'entrée dans le nombre. Gell-Mann, c'est la psychologue états-unienne qui a inspiré mes collègues de l'équipe Hermel 2. Hein? Et elle pense, elle, que la compréhension du comptage-numérotage est innée. Est innée. Alors bon, vous savez, hein, quelque chose d'inné, c'est difficile de lutter contre. Hein? Bon, c'est évidemment grossièrement faux. Stanislas Dehaene, vers 1990, il s'inscrit dans le droit prolongement de Rochelle Gell-Mann. Ce n'est que le prolongateur cette théorie. J'en toucherai deux mots tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est-à-dire un article publié en 2017, et qui a provoqué chez moi une joie intense. Elisabeth Spelk, professeure de psychologie à Harvard, l'une des grandes pointures de la psychologie mondiale. Il se trouve qu'elle a beaucoup travaillé avec Stanislas Dehaene. Elle est entrée au Conseil scientifique de l'éducation nationale. Apparemment, son point de vue n'est pas prépondérant ou elle ne veut pas rentrer dans ces considérations-là. Je ne sais pas ce qui s'y passe. Hein. J'aimerais bien être petite souris, hein, mais je ne sais pas ce qui s'y passe. Regardez, dans une revue prestigieuse, Langage, Apprentissage et Développement, elle écrit un article qui s'appelle « Connaissances fondamentales », bon, approximativement, langage et nombre, en 2017, et elle écrit « Je rejette la thèse que le comptage est central pour le nombre ». Vous vous rendez compte ? Ça ne s'était plus trouvé sous la plume d'un ponte de la psychologie internationale depuis Jean Piaget. Alors, quand on nous dit « la science dit que », d'abord, la science est versatile. La science est débat. La science est débat. Le rejet du comptage-numérotage, comme j'ai essayé de vous le montrer, n'est pas aujourd'hui le rejet de tout comptage. Ce qui était le cas chez Jean Piaget. Vous voyez, donc la science progresse. Mais il faut se méfier. Un pédagogue ne peut jamais prendre le discours pédagogique, scientifique du moment pour argent comptant. Il doit toujours
l'interpréter à l'aune de ses propres connaissances professionnelles issues de sa pratique. Elles ont, comme le disait Sylvie hier soir, autant de valeur pour l'objectif qui est le nôtre, lutter contre l'échec scolaire, que les connaissances scientifiques. Bien que moi je tiens en haute estime les connaissances scientifiques, je n'ai pas passé une thèse de psychologie cognitive à 40 ans, c'est dur. Ça veut dire vraiment, voyez, reprendre des études qui sont austères, difficiles, à un âge déjà avancé, en sachant que la carrière universitaire, de toute manière, quand on passe la thèse à 40 ans, c'est un peu tard. Et donc, il faut vraiment avoir envie de s'approprier ces connaissances-là. Hein. Je les tiens en très haute estime. Et les sciences cognitives, on a vu, j'en ai tiré les conclusions. Qu'en est-il des textes ministériels? Très clairement, la menace de retour au comptage numérotage est grande, principalement sous l'influence de Michel Fayolle et de Stanislas Dehaene. Je vais essayer de vous le montrer à travers le point suivant, qui est, deuxième partie, dans les évaluations CP et CE1, une épreuve étonnante, c'est celle-là. Hein, c'est celle-là. Dans une vidéo, alors vous avez sur le site Eduscol, je vais vous la remontrer. Oh, vous avez un segment, les bornes sont numérotées, ça c'est l'entrée au CP. Ça. Les bornes sont numérotées, il y a 0. Il y a 10, il y a plusieurs propositions de réponse, et il faut choisir la bonne. Le point là, quel est le nombre, quel est le chiffre qui doit être apparié? Alors, c'est pas simple, hein. C'est pas évident, hein. Même pour être sûr, il faut mesurer, se livrer à un petit calcul de proportionnalité, et puis là, on s'aperçoit, oui, c'est 4. Ouais. Oui, c'est 4. Mais voyez, si vous ne regardiez pas les propositions de réponse, on n'a pas mis 3 dedans. Mais sinon, on peut hésiter entre 3 et 4. Hein. On peut hésiter, ce n'est pas si simple que ça. On est à l'entrée au CP. Hein? Bon. Et alors, les collègues stupéfaits, quoi. Qu'arrive-t-il? Pourquoi cela? Je vais essayer de vous l'expliquer. Sur le site Eduscol, vous avez un certain discours pédagogique qui justifie cette épreuve, et vous avez aussi une vidéo. Sur cette vidéo, c'est Michel Fayolle qui intervient. Et il dit, je n'ai fait que transcrire ce qu'il dit, cette épreuve, ce test, permet d'avoir une très bonne indication sur la capacité à mettre en relation un symbole, le chiffre arabe, et la quantité correspondante. Alors là, moi, les bras m'en tombent. Là, je ne comprends plus rien. Il y aurait des quantités là-dedans? Je vois le chiffre 10. Un enfant qui sort d'école maternelle, 10, c'est 10 unités. C'est 10 crayons. C'est 10 enfants. C'est 10 unités, si vous voulez. Mais là, le chiffre 10, c'est 10 quoi? Où est-ce que je vois des unités? Où est-ce qu'il y aurait une quantité, là? Je n'en vois aucune, moi, quantité. Et 0. À l'école maternelle, ils apprennent que 0, c'est quand il n'y a rien. Là, j'ai un point, j'ai un trait, et je l'appelle 0. Mais il y a un trait, enfin. Pourquoi il s'appelle 0? Il n'y a pas rien. On est à nouveau dans De Vos. Là, franchement, tu... Alors,
Pour comprendre ce qui se passe derrière ce type de représentation, derrière une droite numérique, si vous voulez, comme ça, avec des points, ben on peut se reporter à un vieux texte issu d'un tome de l'Encyclopédie de la Pléiade. C'est un texte de Gérard Vergniaud. C'est un tome qui s'appelle « Psychologie ». En 1986, il était coordonné par Jean Piaget, Pierre Mounoud et Jean-Paul Brancard, tous chercheurs à Genève. Il s'appelle ce texte « Appropriation d'un signifiant complexe, la droite numérique ». Il faut apparier des chiffres arabes, des quantités, et puis des schémas. Alors là, moi, je comprends l'appariement entre les chiffres et les schémas. Ah, moi, je vois des quantités, là. Là, deux, je vois à quoi ça renvoie, là. J'ai deux segments égaux. Là, trois, j'ai trois segments égaux. Là, quatre, il y a quatre segments égaux. Là, je comprends. Et un petit enfant, à la limite, c'est susceptible de comprendre. C'est comme ça que les enfants de CP apprennent à mesurer, d'ailleurs, les centimètres. Là, je comprends. Mais tu voyais que là, je comprends déjà beaucoup moins. Tout de suite, je comprends moins. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les quatre schémas du haut et celui du bas? Vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'on a basculé, on a déplacé les chiffres vers la droite, vers le point du droit, à droite. Il appelle ça, le 2, il vient là, le 2. Le 3, il vient là, au lieu d'être au milieu. Le 4, il vient là. Gérard Vergniaud, il appelle ça le principe de ponctualisation. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il faut tout fusionner. Il appelle ça le principe d'inclusion. Vous comprendrez peut-être mieux avec ça. Un, il est là, vous voyez, il est entre le 0 et le 1. Deux, ce sont les deux segments entre le... Mais ce n'est pas évident, tout ça, ça s'apprend. Comment voulez-vous qu'un enfant qui rentre au CP... comprenne ça? Ben non, il n'y comprend rien. Alors, si vous voulez... Une difficulté importante, d'ailleurs Gérard Vergniaud, il montre que des élèves de cycle 3, de CM, ne comprennent pas encore ce type de représentation. Par exemple, quand on leur demande de représenter des durées sur une ligne numérique. Ça reste difficile jusqu'au cours moyen. Et on voudrait que des enfants d'à l'entrée au CP le comprennent. Donc une difficulté importante, c'est comprendre ce mode de représentation. Donc on peut faire une prévision sur les résultats. Et j'espère qu'ils vont traiter les résultats quand même. Non, mais parce que vous êtes dans une... vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne connaissez pas les résultats, vous êtes les petites mains du système. Il y a quand même il y a quelque chose de stupéfiant là encore, sur, pas simplement sur le type d'épreuve proposée, sur la façon dont ça se passe. On peut faire une prévision sur les résultats. Il va y avoir des élèves qui échouent alors qu'ils sont performants en calcul. Ils sont performants en calcul, mais leur problème, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Oui. Il y a des enfants qui réussissent, parce qu'au début, il y a un petit protocole où, on demande de placer le point 1. Non, on dit le point 1 est placé, et on dit, tu vois, le point 1, il est là. Il y a un petit protocole très bref, puis vous savez, il y a toujours quelques élèves qui comprennent tout au quart de tour. Le plus dur, ça serait de les empêcher d'apprendre. Ils passent leur temps à avoir tout compris avant qu'on ait terminé de l'expliquer. Le taux de réussite est loin d'être zéro, évidemment. Ça n'a rien d'étonnant. Mais il va y avoir des élèves qui échouent à cette épreuve, alors qu'ils sont très bons en calcul. Je vous donne le cas d'un élève. Entouré 76 parmi tous ces écritures chiffrées, 10 fois c'est proposé ça. Score 10 sur 10, 100% de réussite. Calcul oral depuis 3 plus 2 jusqu'à 8 plus 7, pas simple à l'entrée
On est en CE1, hein, entrée au CE1. 8 plus 7, ce n'est pas complètement simple à l'entrée au CE1. Hein. 78% de réussite, c'est bien. Hein, c'est bien. Y a un domino, il y a le chiffre 7 en haut, deux cases, à droite, non, c'est à gauche pour vous, à gauche du domino, y a une quantité, à droite, il y en a une autre. Est-ce que la somme fait 7? Et il y a 21 dominos comme ça. Tous les 7 sont reconnus, aucun 7 erroné. Vous voyez, il répond jamais 7 alors qu'il y a 8 trucs, 100% et 100% de réussite. Avec 13, ça fait 88% et 100%. L'épreuve de vitesse, je l'exclus parce qu'un pourcentage de réussite, c'est difficile. Il faudrait la normaliser, si vous voulez. 5 petits problèmes. Léo a 24 euros dans son porte-monnaie. Il a 8 euros de plus que Lilou. Je vous la fais brève. Combien d'euros Lilou a-t-elle? C'est 24 moins 8. Pas évident. Pas évident. 100% de réussite, cet enfant. 100% de réussite au problème. Calcul écrit. Regardez, ils ne sont pas évidents, ces calculs écrits. 78% de réussite. Il a juste été pas rapide. Tout ce qui est fait est bon. C'est un bonnet. Dictée de nombre jusqu'à 100. 100% de réussite. Entrée au CE1. Globalement, il a 93% de réussite. L'épreuve de placer, apparier les points, l'épreuve d'apparier les points à des écritures chiffrées, 33% de réussite. 33% de réussite. J'ai regardé rapidement, il y a 9 élèves sur 28 comme ça. 28 élèves dans le CE1, il y en a 9 qui ont ce profil-là. Je vous rappelle ce qu'écrivait Michel Fayolle. Ce test permet d'avoir une très bonne indication sur la capacité à mettre en relation un symbole, le chiffre arabe et la quantité correspondante. Mais l'élève qui a 100% de réussite a des problèmes pas si faciles que ça, qui réussit pratiquement partout, il ne sait pas mettre en relation un chiffre arabe et une quantité. Je ne relèverai pas les bras. Alors, d'où vient l'idée folle de proposer un tel test? Des travaux de Stanislas Dehaene. Dans la bosse des maths, deuxième édition en 2010, il y a le sous-titre 15 ans après, Stanislas explique que les bébés naissent avec un soi-disant, je dis soi-disant parce que c'est extrêmement controversé, système de nombres approximatifs. En anglais, c'est l'ANS, vous savez que l'ordre des mots est inversé. Hein. Qui, en forme immature, aurait cette allure? Le bébé, lui, les premières quantités, elles sont mieux distinguées que les précédentes. Plus il y a d'unités, plus il a de mal à les distinguer. Vous voyez, deux unités consécutives. Et donc, sur ce qu'il pense être une ligne numérique mentale innée, hein, les premiers, ce qu'il pense être des nombres, chiffres, alors mais à chaque fois il ajoute le mot approximatif. Hein, c'est un système de nombres approximatifs. Hein. Au début, ils sont épassés, puis ça se resserre. Plus ça grandit, plus ça se resserre. En termes savants, c'est une échelle logarithmique, hein, en termes savants. Et puis le progrès, comment va-t-on l'évaluer? Eh bien, l'échelle, elle va devenir petit à petit linéaire, les intervalles vont devenir réguliers. L'enfant va apprendre comment, on va voir, que les écarts deviennent égaux. Hein, deviennent égaux. Alors ça y est, hein, on comprend son test. Son test. Alors ça, par exemple, le premier, ligne numérique mentale approximative immature, c'est aussi celle des Indiens Munkuruku. Hein? C'est-à-dire que c'est aussi celle qu'on observe chez des Indiens d'Amazonie, illettrés, qui n'ont pas appris à compter, etc. Alors évidemment, on ne fait pas l'expérience avec des chiffres, on fait l'expérience avec des collections.
Hein, et puis, on a une collection de 1 ici, une collection de 2, une collection de 3. On demande d'apparier une collection avec un point. Hein. C'est exactement ce que font nos élèves. Et puis, on fait ça entre 1 et 9, parce qu'une collection de 0, c'est difficile. Quoi, hein. Le Munkuruku, il serait étonné. Quoi, hein. Voilà. Alors, donc, vous avez en haut une ligne numérique mentale approximative immature, et en bas, une ligne mature. Alors, voilà, on met un point là, puis on se demande, l'élève va-t-il répondre 4 comme dans la ligne numérique mentale mature, ou va-t-il se comporter comme un Munkuruku? Ou comme un bébé? S'il se comporte comme un Munkuruku, un bébé, va dire 1 ou 2. S'il a déjà progressé, va dire 3. Vous voyez, voilà, ça vient de là. Mais la moindre des choses serait d'expliquer. Ça serait quand même la moindre des choses. Bon. Sur le café pédagogique d'hier. Bon. Et ça chauffe, hein, Sur mon compte Twitter, j'ai des... ça tweet sec. Hein. Sur le café pédagogique du vendredi, on trouve une critique argumentée avec toutes les références théoriques possibles pour montrer que c'est extrêmement controversé, que pour tout dire, je pense très sincèrement que ça ne tient pas la route, hein, son cadre théorique. C'est un ordre de grandeur approximatif. C'est un ordre de grandeur approximatif qui est inné, si vous voulez, ce qui est inné. Il y a des compétences innées. Hein. Il ne s'agit pas de le nier. Hein. Mais si vous voulez, en anglais, la plupart des auteurs, ils n'utilisent pas le vocabulaire de Stanislas Dehaene. Il ne faut pas croire que Stanislas Dehaene est la référence internationale qui ferait loi. C'est faux. C'est faux. Un grand nombre d'auteurs parlent de magnitude, un système approximatif des magnitudes. Et quand on cherche à traduire magnitude en français, on tombe sur ordre de grandeur. Si vous voulez, pour le dire simplement, l'évolution darwinienne a bien fait son travail. Tous les animaux sont équipés pour que, dès la naissance ou très précocement, ils sachent distinguer un gros tas de nourriture d'un petit tas de nourriture. Grosso modo, la compétence innée, elle est de cet ordre. Parler de système de nombre approximatif, c'est voir des connaissances là où elles ne sont pas. Hein, et donc, c'est quand même grave. Et puis, l'intuition innée, elle reste ce qu'elle était. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Brian Butterworth, dans un colloque au Collège de France que Stanislas Dehaene a organisé lui-même. Brian Butterworth, c'est une sommité internationale en neuropsychologie. Et il fait une conférence, il explique le cadre théorique de Stanislas Dehaene. Il y a une échelle subjective, hein, sur la ligne numérique, qui se compresse vers la droite. Hein. Au début, il y a un processus de génération, et puis il y a ce que l'élève a produit, ce que l'enfant a produit. Il dit, ça c'est le cadre théorique de Stanislas Dehaene. De Stanislas Dehaene croit que l'échelle subjective innée, la compétence innée, se restructure. Et Brian Butterworth dit, l'échelle subjective, elle reste ce qu'elle était. Simplement, au cours de la tâche, l'enfant, quand on lui demande de situer un point, il utilise ses connaissances numériques. Le fait qu'il ait appris à mesurer avec un double décimètre, ses connaissances en proportionnalité,
Et puis, il produit sa solution. Ce que vous observez, ce n'est ni plus ni moins que le produit de l'apprentissage et de l'enseignement. Voyez. Donc, sa théorie est pour le moins critiquée. Il termine même, ça vaut le coup, il y a la référence de la vidéo que je donne sur le café pédagogique, et c'est traduit en français en plus. Hein. Il s'exprime en anglais, mais c'est traduit en français. Il termine sa conférence en disant qu'un célèbre effet expérimental sur lequel Stanislas Dehaene a travaillé est un bojoum. Un bojoum, c'est un être imaginaire dans la chasse au snark chez Lewis Carroll. Et donc, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mince, il est sévère. Je n'oserais jamais manquer autant de respect qu'il le fait. Mais bon, je n'ai pas la notoriété internationale de Brian Wolf. Comment Stanislas Dehaene conçoit-il le progrès depuis une échelle subjective, dilatée au début, resserrée par la suite vers une échelle avec des écarts constants? Mais il pense que c'est à force de compter numéroté. Et comme quand on analyse le comptage-numérotage, on ne voit pas comment ça pourrait introduire à l'itération de l'unité. Autant quand on analyse le comptage des nombres, ah oui, ah oui. Ah oui, l'itération de l'unité, ça dit que pour passer d'un nombre à un autre, il faut ajouter un. Et donc les écarts sur la suite numérique, ils sont égaux, c'est toujours plus un. Autant quand on sait qu'il est préférable d'enseigner le comptage dénombrement que le comptage numérotage, on comprend comment les enfants peuvent progresser. On le comprend bien. Lui, il n'y comprend rien. Il n'y comprend rien. D'ailleurs, il dit... dans une conférence nationale sur l'enseignement des mathématiques en 2012. Regardez ce qu'il dit. Le passage d'une échelle à l'autre, hein, le fait d'accéder à des écarts égaux, c'est un grand changement mental. Mais on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Il y a une sorte de révolution mentale et un changement théorique très abstrait qui se produit. Si on identifiait proprement chacune de ces transitions, on saurait que là, il faut faire très attention. Parce qu'il y a quelque chose de crucial qui doit changer. Vous voyez, il met le doigt sur le problème, mais il est en plein brouillard. Moi, je lui conseillerais, allez voir un pédagogue. Parle de décomptage, dénombrement. Demandez-leur ce que c'est. Vous comprendrez mieux. Bon, on en rit, mais... Vous voyez bien que fondamentalement, ça a un côté qui ne donne pas envie de rire. D'après le document Eduscol, comment les élèves apprennent-ils à positionner les chiffres sur une échelle linéaire, même écart entre deux? Croyez-vous qu'ils parlent de l'itération de l'unité? Pas du tout. Parce que sur le site Eduscol, il y a quand un enfant a échoué telle épreuve, comment vous pouvez l'aider à progresser? Croyez-vous qu'ils parlent de l'itération de l'unité? Non. Aucun moment il n'y est fait allusion. Croyez-vous qu'il ait fait allusion aux secrets, aux clés de ce mode de représentation, c'est-à-dire la ponctualisation, c'est-à-dire l'inclusion des grandeurs? Deux, qu'est-ce que c'est? C'est pas le point deux, c'est les deux grandeurs, les deux unités depuis le début. Croyez-vous qu'il soit fait allusion à ça? Non. Ce qu'on nous dit, regardez-les, les activités, ce qu'on nous dit, faites des activités avec des plots d'éducation motrice, par exemple, vous mettez l'étiquette 1 à un plot, l'étiquette 10 à l'autre, mettez les autres plots, et dites bien à l'enfant qu'il faut les disposer régulièrement. C'est-à-dire qu'on leur apprend à fournir la bonne réponse sans comprendre. Vous vous rendez compte de la gravité de la chose?
on met en place un test, on recommande aux élèves d'enseigner comment, on recommande aux enseignants d'enseigner comment donner les bonnes réponses au test sans avoir les connaissances conceptuelles qui fondent ces bonnes réponses. Les seuls qui intéressent le pédagogue. C'est pas, bien sûr que si on entraîne des enfants à écrire des points espacés régulièrement sur un segment, ils vont y arriver en s'appuyant uniquement sur l'ordre des écritures chiffrées. C'est grave. C'est grave. Il faudrait enseigner aux élèves à bien répondre aux tests sans comprendre. Troisième partie, est-ce que j'ai le temps ? Ben, il me reste trois minutes. Hein ? Qu'est-ce que je fais ? Je réponds aux questions ou je continue ? J'enchaîne. Alors pourquoi j'ai mis ça ? Parce que dans la deuxième circulaire, on en parle. Hein, de trucs. Et puis on en parle, comme d'habitude, le ton est même impératif, quoi, parce qu'il a quand même l'art de ne pas souligner les difficultés de tel ou tel choix pédagogique, mais de dire il faut faire comme ça. Quoi. C'est quand même tout à fait étonnant. Hein. La circulaire est signée de son nom. Hein. Donc il parle des schémas conventionnels. Et puis une autre raison, c'est qu'on a des collègues qui ont fait un travail tout à fait sérieux, un travail d'équipe, à l'école Jean-Jacques Rousseau, à la ZUB d'Argenteuil. C'est l'école où était scolarisé mon premier fils, donc je respecte, chapeau, hein, je dis chapeau d'abord au travail d'équipe des collègues. C'est rapporté sur le site d'Alain Savary, hein, de l'IFE, hein, qui s'occupe des REP. Et REP+, donc ils ont fait un excellent travail. Mais je vais quand même me permettre de dire quelques écueils de ce travail, hein, parce que moi je suis plus mitigé. Je vais dire comment je pense que c'est intéressant de parler de cette affaire. Il y a trois idées essentielles concernant la résolution de problèmes. Première idée, la résolution de problèmes et le calcul mental ont partie liée. Ils sont liés. On a rarement vu des enfants devenir bons en résolution de problèmes qui ne le soient pas en calcul mental. C'est très très rare. Et pour vous expliquer la raison, c'est qu'il y a une notion qu'on appelle la notion de propriété conceptuelle. Les propriétés conceptuelles constituent l'interface entre le calcul mental et la résolution de problèmes. Vous voyez, faire appel à elle, c'est un point commun. Je vais vous expliquer ça très, très, très simplement. On est à l'entrée CE1. Ça, c'est une recherche publiée dans Developmental Science avec Emmanuel Sander en 2010. Léo a 38 euros. Sa grand-mère lui donne d'autres euros. Maintenant, Léo a 41 euros. Combien sa grand-mère lui a-t-elle donné d'euros ? Entrée au CE1, presque la moitié des... de réussite, hein, presque la moitié de réussite. La procédure utilisée, c'est qu'ils écrivent 38 plus 3 égale 41. Quand on leur demande comment ils ont fait, ils écrivent 38 plus 3 égale 41. Regardez, ce problème, c'est exactement le même. La seule chose, c'est que j'ai remplacé 38 par 3. Vous voyez ? Donc les nombres sont plus petits. Les nombres sont plus petits. On pourrait dire, les nombres sont plus petits, ça va être mieux réussi. Hein, quand la taille et le nombre est plus petit, en fait, c'est moitié moins de réussite. Hein, moitié moins, c'est pas, vous voyez, c'est un rapport important. Hein, mais ils ne s'y prennent pas du tout pareil. Ils écrivent 41 moins 3 égale 38. Et donc, ce n'est pas la taille des nombres, hein, qui crée la difficulté d'un problème, c'est faut-il utiliser des connaissances conceptuelles ? C'est-à-dire que ces problèmes, ces énoncés, sont des énoncés où on me parle d'un complément. Hein, il y a une quantité initiale, 38, il y a un ajout inconnu, et puis je connais la quantité finale, et combien on a ajouté, quoi, si vous voulez. Ou alors une différence, hein, quantité initiale, quantité finale. Qu'est-ce qu'il faut ajouter au petit nombre pour avoir le grand, si vous voulez. Et ça induit plutôt une addition à trous mentale. J'aime pas l'addition à trous écrite, mais bon, ce serait trop long de vous expliquer pourquoi. Une addition à trous mental, les enfants ils font 38 plus combien égale 41, c'est-à-dire donc 38 plus 3 égale 41, c'est ce qu'ils écrivent.
arrive d'ailleurs. Hein, Tandis que là, 3 plus 3 plus 10, ça fait 13, et puis ils ne savent pas. Trouver mentalement 3 plus combien fait 41. Et ceux qui réussissent, eh ben, ils font 41 moins 3. Mais faire 41 moins 3, alors qu'un problème parle d'un ajout, faire 41 moins 3, alors qu'on parle d'une quantité qui augmente, dans l'énoncé, il faut utiliser ce qu'on appelle une propriété conceptuelle. Les propriétés conceptuelles, c'est comme une propriété, comme l'itération de l'unité. Ce sont les propriétés qui fondent le domaine. C'est les propriétés, quand vous faites une progression, moi quand je fais une progression pédagogique, je me dis à quel moment je travaille telle ou telle propriété conceptuelle. Vous voyez, c'est comme ça, c'est ma méthodologie. Une propriété conceptuelle fondamentale de l'addition-soustraction, parce qu'elle concerne le domaine, hein, le truc, c'est la différence de deux nombres. Vous voyez, la différence de taille de deux enfants, on voit ce que c'est. La différence de deux nombres, on voit ce que c'est. La différence de deux nombres, c'est aussi le résultat de grand nombre moins le petit nombre. Hein, voilà, propriété conceptuelle. C'est pas évident. Une autre propriété conceptuelle, c'est la réversibilité de l'addition et de la soustraction. J'ai une quantité, si j'en ajoute une autre, pour retrouver la quantité de départ, je peux retirer celle que j'ai ajoutée. Vous voyez, tout ça sont des propriétés conceptuelles, je pourrais vous en faire la liste. Une tâche de calcul, maintenant, qui apparemment est très différente. On ne calcule pas 102 moins 6 comme on calcule 102 moins 94. 102 moins 6, et on a des résultats, la plupart des adultes, ils font 102 moins 2, 100, et il faut que je retire encore 4. Hein, 96. Calcul par retrait successif. 102 moins 94, la plupart font 94 pour aller à... Ils calculent le complément. On leur pose dans les deux cas, on leur pose A moins B. Dans un cas, ils calculent d'une façon, dans l'autre, ils calculent complètement différemment. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la propriété conceptuelle. A moins B peut se calculer par une stratégie de complément. Si vous voulez, quand on compare le calcul de 100 moins 2 moins 94, la procédure de résolution de ce problème, il y a en commun l'emploi d'une même propriété conceptuelle. Et moi, j'affirme qu'il est plus simple d'apprendre à bien calculer mentalement à des élèves la stratégie de calcul par complément, on peut l'enseigner dès le CP. Nous, on fait ça depuis 1992. Puis 1992, vous avez 12, c'est une boîte de Pigby pleine, et encore deux unités. 12 moins 3, je retire les deux unités qui dépassent, et puis la dernière de la boîte. Il reste 9. 12 moins 9, est-ce que je vais faire de la même manière ? Ben non, je vais retirer les 9 premières unités dans la boîte. J'imagine que je retire les 9 premières unités dans la boîte. Qu'est-ce qui restera ? Une unité dans la boîte et les deux autres qui sont à l'extérieur. 1 et 2, 3. Et dès le CP, ils apprennent à calculer. Ils s'approprient les deux stratégies de calcul d'une soustraction. Et j'affirme que, et c'est ce qu'on montre d'ailleurs, j'ai psychologie française, j'ai fait une petite revue de questions là-dessus, que le calcul mental, c'est simple, rien n'est simple dans le métier, hein, mais on y arrive, hein, alors que la catégorisation des énoncés de problèmes, c'est difficile. Hein. Pour ça, c'est la première idée. La deuxième, l'usage pédagogique de schématisation conventionnelle est ambivalent. Ça, c'est le travail des collègues d'Argenteuil. Ils prennent un problème. Le jouet d'Alice coûte 86 euros. Son jouet coûte 23 euros de plus que celui de Frédéric. Quel est le prix du jouet de Frédéric ? Et l'enfant, pour résoudre, on introduit progressivement, on est en fin de CE1, là. On introduit progressivement, on lui dit progressivement, et pour résoudre le problème, il peut céder de schéma, il peut choisir entre l'un de ces schémas. Ça, c'est un schéma de type partie-tout. C'est-à-dire, j'ai un tout, une partie, une autre partie. Vous voyez, j'ai un bouquet de fleurs, c'est des roses et des marguerites. Hein ? Ça, c'est de la comparaison. J'ai une grande quantité, une petite quantité. Combien y a-t-il de plus ou de moins ?
Ça, c'est j'ai une quantité, j'ai soit un ajout, soit un retrait, et puis j'ai une quantité finale. Ça, c'est combiner des transformations. J'ai gagné 3, puis j'ai gagné 7, combien j'ai gagné en tout ? Hein, et puis des fois, j'ai perdu. D'accord ? Et alors l'élève, il doit choisir le bon schéma. Là, c'est un schéma de comparaison. Là, c'est un schéma de comparaison, si vous voulez. Et donc, il doit sélectionner ce schéma. Alors, c'est pas simple. C'est pas simple du tout, quoi. Et moi, ce qui me fait le plus peur, il y a quelques résultats expérimentaux, très peu. Et dans les quelques résultats expérimentaux, il y a des résultats de recherche de Karen Fuson qui montrent que globalement, ça améliore les performances des enfants. Globalement. Et c'est ce que constatent les collègues. Mais ce qui est un peu embêtant, c'est que les plus fragiles ne cherchent plus à comprendre l'énoncé. Ils sont dans l'attitude « Quel est le schéma qu'il faudrait que je choisisse ?» Quel est le bon schéma, quoi, si vous voulez. Et ça... Or, il ne peut pas y avoir de résolution de problème réussie sans représentation mentale de la situation décrite dans l'énoncé. Donc ça, c'est un écueil. Alors, ils ont toute une méthodologie, regardez-les, voyez ce que vous en pensez. Mais même quand on a pris le bon schéma, regardez, le jouet d'Alice coûte 86 euros. Il faut mettre 86 dans la grande barre, là. Hein, dans la grande barre. Son jouet coûte... excusez-moi, on ne sait pas s'il faut le mettre dans la grande barre ou dans la petite. Le jouet d'Alice coûte 86 euros, j'en sais rien du tout. Alors là, son jouet coûte 23 euros de plus, alors là, on leur apprend de sélectionner le rond plus et de mettre 23 là. Mais après, je ne sais toujours pas s'il faut mettre les 86 en haut ou en bas. Comment je trouve que... Vous voyez, c'est pas simple. Hein, c'est pas simple. De plus, regardez ce problème. Papy René a fabriqué une cabane à insectes pour l'hiver. Il y avait 19 insectes à l'intérieur de ce matin. 37 insectes sont arrivés dans la journée. Combien d'insectes y a-t-il maintenant ? Moi, il y a plein de schémas qui me vont bien, moi. Il y avait, première partie, il y avait 39 ce matin. Deuxième partie, ceux qui sont arrivés. En tout, combien il y a ? Vous voyez ? Alors, la comparaison... si vous voulez, il y a petit nombre, plus truc, et puis, moi, il y a plein de schémas. Et puis, l'idée de la schématisation, c'est quand même à terme d'avoir une seule représentation mentale pour les différents énoncés. Si j'installe l'idée de représentation mentale ou imagée différente, je n'aide pas à la catégorisation qui est unification, quoi, représentation mentale unifiée pour des choses qui, a priori, sont différentes. Et donc, il y a quand même un problème. Troisièmement, deux solutions très différentes, et j'en aurai fini. Partir de schématisation spontanée, on risque pas, c'est ce que j'ai privilégié dans mon nouveau travail, qui est déjà diffusé, hein. On l'a diffusé en Finlande, en Norvège. Si vous me posez la question, je vous expliquerai les problèmes qu'on rencontre en France. On l'a diffusé en Finlande, en Norvège, à l'arrache, en mai dernier. Hein. En mai dernier, il y a déjà 10% des enfants finlandais, 10% des enfants norvégiens qui l'utilisent. Hein. Bon, on s'est lancé dans l'enseignement de la schématisation. Mais on n'a que deux schémas. C'est beaucoup plus simple de sélectionner le bon. On en a un pour l'addition, un pour la soustraction. De la même manière que quand pour choisir l'addition ou la soustraction, il faut deux schémas. Hein. C'est deux schémas, hein, deux schémas symboliques. Hein. Regardez, nos êtres, c'est un mixte des nombres en couleurs de Kuisner. Les nombres en couleurs, ils sont comme ça. Ils ont deux formes, hein, soit une forme schématique, soit cette forme qui est la première et qui est la plus amusante, hein, qui est là. Et chaque nombre est représenté par une réglette,
hein, de couleurs différentes. Et si vous voulez, la réglette 7, elle a pour longueur 7 réglettes unités, 7 cubes unités, quoi. Mais elle a aussi la rongle, pour avoir 7, on peut juxtaposer la réglette 5 et la réglette 1. Hein. Moi, je les reconnais facilement parce que la réglette 7, c'est la grande réglette qui a deux yeux. La réglette 7, 5 plus 2. La réglette 9, c'est la grande réglette qui a 4 yeux. 4 yeux, c'est très dur à dire. Mais on reprochait à Cuisenaire que c'était la longueur qui fonctionnait. C'était pas vraiment, on disait c'est la réglette 7. Non, c'est la réglette de longueur 7 quand on prend le cube unité pour unité. Ouais, mais nous, sauf qu'on a un scanner. Et nos nooms, on appelle ça des nooms, on peut le mettre dans le noom 3, s'il s'appelle 3, c'est parce que dans le corps, il a 3 nooms unités. Vous voyez ? On peut les mettre dans une radio, les nooms. Hein, là aussi, je pourrais vous montrer si ça intéresse certains. Hein. Donc voilà, ce sont ces êtres-là. Nos schématisations, ils sont là. Hein. On a aussi des nooms inconnus. Hein, nooms inconnus. 6 plus 4, je mets bout à bout, quand on a deux nooms. Il y a deux situations, façons de les mettre en relation intéressantes. Les mettre bout à bout. Quel est le noom qui coïncide aux extrémités avec celui-là? C'est le noom 10. D'ailleurs, si je sors un noom 10 et que je le mets là, je vois que j'ai la bonne réponse. Parce qu'on fonctionne constamment à travers des situations d'anticipation. Constamment, on crée un schéma additif, on crée le noom inconnu. Quel est le noom inconnu? Pour la différence, pour la soustraction, c'est ce schéma-là. On n'a que deux schémas. De plus, grâce au scanner, si vous voulez, quand un noom représente, si vous voulez, un problème du type, il y a 8 chiens, mais il n'y a que 6 os, vous voyez, vous indexez le tuyau par des chiens, vous sortez un noom comme celui-là, hein, un noom normal, hein, mais si vous le mettez dans le scanner, vous voyez les 8 chiens. Ciseaux, vous faites tourner la roue crantée, vous sortez un noom 6, vous avez l'impression que c'est le nombre 6, si vous le mettez dans le scanner, vous voyez les ciseaux. Et dans le scanner, vous pouvez dire, tiens, ce chien, il mange cet os-là, celui-là, cet os-là, etc. Je crée un... Vous voyez, c'est-à-dire, on crée le schéma dans le même temps qu'on comprend l'énoncé. C'est-à-dire, on n'est pas en train de sélectionner le bon schéma. On le crée dans le même temps qu'on comprend l'énoncé. Et c'est un processus complètement différent. On peut enchaîner les opérations. Hein. Là, j'ai 6 plus 4, moins 7, résultat. Hein. Vous voyez. Bon, donc, utiliser la schématisation conventionnelle pour résoudre des problèmes, ce n'est pas sans espoir. On pourra vraisemblablement un jour le faire. Pour moi, ça reste expérimental pour l'instant. Enfin, bon, c'est diffusé en Finlande et ils trouvent les collègues que ça fonctionne suffisamment bien pour l'utiliser. Mais vous voyez que c'est une problématique complexe. Hein? Voilà, je crois que j'ai... Merci pour votre attention. Alors, merci Rémi Bricio. Ah, s'il n'y a pas le son, ça ne va pas. Alors là, il n'y a plus de son. Tu veux le mien ? Ils m'ont coupé la chic. C'est parce qu'on veut m'empêcher de parler. Non, on a le temps de prendre une ou deux questions, je vous dis pourquoi. C'est parce qu'il va falloir qu'on modifie complètement la physionomie de la salle pendant le temps du repas pour le programme de ce soir. Donc je vous booste un peu.
Ça ne veut pas dire qu'il faut penser du tout. J'ai dit une ou deux. Maintenant, vous savez ce que c'est, une ou deux. Quand il y en a une ou deux, la responsabilité est grande. Allez. Bonsoir. Au début de la séance, vous avez parlé de votre intervention dans des classes qui étaient très équipées au niveau du numérique. Et j'aurais voulu savoir quelle est la place du numérique dans votre pratique, si elle a eu une place. Alors, dans ce qu'on a élaboré ou en général ? Dans ce qu'on a élaboré ? Le même. Et puis, c'est gamifié, c'est-à-dire qu'à la fin, il faut battre un monstre norvégien qui s'appelle Osgord. Et puis, pour battre Osgord, il faut être devenu bon en calcul. Il n'y a pas... bon en calcul, bon en résolution de problèmes. Hein. Tous les jours, en bas du fichier, il y a un code. Et puis, quand l'élève tape ou le maître tape le code du jour, par exemple, la deuxième leçon, je vous le montre, hein, c'est un code pour pas mettre de numéro. J'ai pris des bananes. Vous voyez, c'est pour ne pas mettre de numéro. Hein, j'essaye d'être cohérent. Hein, et je vois les applications du jour, elles sont toujours de deux sortes. Il y a un laboratoire, c'est-à-dire un environnement, des machines, etc. C'est un environnement qu'il va falloir explorer. Comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis l'enfant l'utilise lui-même après, l'environnement, puisqu'ils ont, ils ont chacun leur tablette. Et puis il s'approprie ça de manière absolument extraordinaire. Donc moi, je commençais, je les regroupais autour de moi. Et puis, allez, on va explorer ensemble le laboratoire. Hein, et puis j'y allais. Le laboratoire, il est là. Bon, alors là, j'introduisais les nooms. Alors, par exemple, je mettais la radio. Hein, je sortais la radio. Je la mets là. Allez, on y va. La radio, je l'agrandis, puis je vais sortir des nooms. Et puis j'y vais. Tiens, vous voyez les enfants, ça, c'est le noom 1. Ah ouais, j'ai du son. Ça, c'est le noom 1. On va voir à quoi il ressemble. Regardez bien. Voilà. Eh bien, il s'appelle Unité. C'est le Noom 1. Allez, on va le remettre dans la radio. Hein. Je vais sortir un autre Noom 1. Hein. Et les enfants, les Nooms, ils se mangent. Regardez. Ils se mangent. Ah, maintenant, 1 plus 1, eh bien, c'est égal à 2. On fait une addition orale. 1 et encore 1 plus 1, c'est égal à 2. Allez, on va le sortir de la radio, on va voir à quoi il ressemble. Regardez bien. Ah, il est jaune. Il s'appelle 2 parce que il a 2 Noom 1 dans le corps. On peut le voir dans la radio, mais regardez, on peut le voir aussi en le coupant. Mais d'ailleurs, regardez, mais il se mange aussi. Là, allez, on va le remettre. Et puis, je ne sais pas si vous êtes, si vous en rendez compte, mais je suis en train d'introduire les nombres par l'itération de l'unité. 3. Vous voyez, la théorie, c'est pratique. La théorie, ça permet d'inventer des séquences de classe. Vous voyez, 2 plus 1, c'est égal à 3. On regarde à quoi ils ressemblent. Et puis, on a des boîtes. On a des boîtes de pique-billes. Et puis, on a des boîtes de pique-billes. On les sort. Et puis, on dit, enfin, vous voyez, c'est une boîte. Quand on met un noom dedans, le noom, il va se décomposer, puis il va descendre tout au fond. Allez, je vais mettre le noom 3 dans la boîte. Jusqu'où va-t-elle être remplie? Puis je fais un trait au tableau, puis j'écris en haut, à gauche, Osgard, à 3, à droite, CPB. Et puis quand ils font une bonne réponse, je mets un point, un bâton au CPB. Allez, on y va. Jusqu'où va... Mais je sais. Allez, viens le montrer au tableau. Ils mettent le doigt ici. Ça va être rempli jusque-là. Allez, on le fait. On y va. Oh, c'est là que tous les autres applaudissent. Et on fait un bâton pour les CPB. Alors, inutile de vous dire, de temps en temps, quand il y a une erreur, je mets un point à Osgard, mais il n'a pas souvent gagné, hein, il n'a jamais gagné.
Il n'a jamais gagné, le pauvre Osgard. Hein. Dans une boîte, on peut aussi mettre ça produit le même effet. Hein. Ça produit le même effet. Hein. Je peux vider, ça c'est une poubelle, hein, en bas à gauche, hein, c'est une poubelle. Ils ont des challenges. C'est-à-dire, ils doivent réaliser cette image. Je leur donne la poubelle, ils ont l'application, eux-mêmes activent tout ça, et puis ils doivent réaliser cette image. C'est formidable, quoi. Non, mais quand faire classe devient un plaisir, on a un quiz, j'en ai pour 2 minutes, on a un quiz... Je vous ai dit, on a 2 sortes d'applications. On a les laboratoires et les défis. Le défi, c'est ça. Vous voyez, l'élève Julie, elle a commencé à le faire, mais c'est une élève fictive, hein, en fait. On m'a montré une boîte avec des nounes dedans. Et puis, il y a un rideau qui s'est baissé. Combien y avait-il? Oh, je vais répondre 4, comme ça. Ma réponse, elle est codée. Ah, je vois le problème. Les 2 sont à parier. Ouais, j'ai gagné. C'est-à-dire que c'est jamais du oui-non. Il y a toujours... Vous voyez, la solution, elle est toujours explicitée. C'est jamais du oui-non. On n'est pas dans la plupart des applications qu'on observe. Il y a du contenu didactique, il y a de la réflexion psychologique derrière tout ça. Il y a des trucs. Et donc les enfants, et puis quand ils ont terminé, ils ont gagné leur étoile. Et moi, si vous voulez, là, il n'y en a qu'un, quiz, on est tout en début d'année. Mais plus tard dans l'année, il y en aura 3-4. Et donc... Au début de la séance, c'est la question que posait la collègue, on fait les activités d'anticipation du jour, il y a toujours une activité d'anticipation. Il n'y a pas de séance sans activité d'anticipation. Vous savez, le fameux triptyque singapourien, manipuler, dessiner, abstraire. Mais comment on passe du dessin à l'abstraction, je vous le dis, par l'anticipation, par le masquage et par l'anticipation. Et donc, l'un des mots essentiels pour arriver à l'abstraction, qui est le mot anticipation, ne figure pas dans la fameuse méthode de Singapour, soi-disant aussi méthode de Singapour, parce que, en fait, quand on regarde la méthode originale et ce qu'on appelle... la traduction française, la collègue états-unienne qui a traduit, elle n'a pas tout compris, quoi. Elle a fait sa scolarité aux États-Unis et visiblement elle n'a pas tout compris. Je termine, j'ai un laboratoire, parce que je le vois agiter son... J'ai un laboratoire plein de défis, je montre le travail du jour aux élèves, j'ai aussi la page du jour du fichier. Je leur dis, vous savez quoi faire. J'ai pris 20 minutes sur mon heure. Vous savez quoi faire. Prenez vos tablettes, ou je distribuais les tablettes. Allez-y. Tout le reste de l'heure, je suis disponible pour travailler avec les élèves qui ont le plus de mal. Et pendant une heure, vous ne voyez pas un élève ne pas travailler. C'est invraisemblable. J'avais jamais vu ça, moi. C'est pour ça que... Hein? Alors, c'est une autre question, ça. Je ne croyais pas qu'on était à un congrès syndical, parce que là je saurais dire, tu t'arrêtes, t'as 1 minute, t'as 30 secondes, c'est fini. Là, on a un invité charmant qui nous parle du métier. Il va peut-être nous dire juste, en 3 mots, où ça se trouve. En 3 mots, parce que toute question mérite réponse, et puis après, on fera la conclusion. Alors écoutez, il n'y a pas de modèle économique en passant par un éditeur en France, c'est pas possible. La petite société, elle a investi 3 millions d'euros dans la mise au point de ça.
Un éditeur, il distribue royalement 6% de droits d'auteur. Un auteur qui a investi 3 millions d'euros dans la réalisation de son œuvre. Alors, les créateurs de la boîte, pour moi la boîte existait déjà. Moi, là-dedans, je suis pipeau. J'ai pris un plaisir immense à travailler avec des gens qui sont des excellents professionnels à tout niveau et qui ne demandaient qu'une chose, c'est d'avoir une réflexion de type didactique, pédagogique. Et donc, c'est vraiment, il n'y a pas de problème. Ils ont décidé, dans un premier temps, de négliger le marché français. Il n'y avait rien à faire. Alors, plus toutes les difficultés liées au manque de tablettes. Alors, j'ai réussi à les convaincre d'une chose. C'est que à terme, on diffusera en direct. Sur le truc. Non, mais je dis aussi. Parce que ça les intéresse. Dans un premier temps, on va essayer de créer le désir. Pour créer le désir, on mettra gratuitement à disposition aux gens qui seront volontaires et qui auront des tablettes. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que les collègues tannent les maires, les communes, pour être équipés en tablettes, qu'il n'y ait pas un chariot. On a étendu à des REP+, par exemple. Il y a des REP+, le chariot n'avait jamais été utilisé depuis 2 ans. Comme par hasard, les deux CP disent « Ah ben, on va en avoir besoin toute la matinée ». Et les collègues disent « Mais moi aussi j'en ai besoin ». Bon, donc il faut savoir qu'il y a besoin de tablettes tous les matins à disposition. Minimum une tablette pour deux. On mettra ça gratuitement à disposition. À terme, ça sera vendu comme des licences individuelles par élève. Il n'y a aucune connexion à Internet, il n'y a aucune remonte de données qui remonte, donc c'est complètement safe du point de vue de la loi. Pour suivre l'affaire, le mieux, ça serait peut-être de vous abonner à mon compte Twitter. D'un seul coup, il y en a qui vont franchir un bond technologique. parce que dès que la chose sera finalisée, moi, je l'annoncerai sur mon compte Twitter. Le SUPP s'engage à relayer. Il y a toute une déconstruction de la manipulation et de l'instrumentalisation des enseignants, et ça c'est très important. Rémi a fait appel à nous aussi pour combattre ces stratégies de bas niveau qu'il a décrites, de ne pas devenir les petites mains de deux âmes. Ça je pense que tout le monde l'a compris. Il a lancé un appel, tout le monde ne l'a pas vu, mais je pense qu'il faut le relayer. Abonnez-vous au Café PEDA parce que je crois qu'ils en ont besoin. Puis enfin, une petite annonce, parce qu'on a pris l'habitude de finir par des petites annonces. Fenêtre sur cours, la revue du SNUPP cherche un enseignant ou une enseignante prête à accueillir Stanislas Dehaene dans sa classe. Nous en ferons le reportage. Alors maintenant, après la théorie, la pratique, vous allez faire des tas de chaises en comptant jusqu'à 10 par itération. C'est pas ça? S'il vous plaît. Attendez 2 minutes, vous allez pouvoir, comme dit Régis, faire des tas de chaises par 10 de la même couleur, on complexifie. On continue à complexifier, on amène les chaises de ce côté, j'ai pas fini.
Dernière chose, le repas qui était prévu à 19h30 est repoussé à 20h, le temps que vous preniez une réhydratation au bar. Dernière chose...